リンクスタート。Et donc bonjour les gens, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc vous pouvez le voir, on se retrouve à nouveau pour regarder ensemble The Day I Became a God, épisode 11, avant-dernier épisode, avant la fin les gens de cet anime, alors que dans le dernier épisode c'était tout juste ouf avec une Ina en... une Ina légume, clairement une Ina légume et tout. Que va-t-il se passer? Comment ça va se dérouler? Comment va se finir ce The Day I Became a God? Voilà, sans plus tarder, je vais direct lancer ce regardon. Je tiens à remercier, je sais pas si il repassera par là à nouveau, mais je tiens à remercier Yabai TV. Hein, voilà, donc Yabai TV, si tu passes par là, bah, thank you, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est un mec tout simplement qui a repris mes dernières réactions de l'épisode 9 et l'épisode 10 de The Day I Became a God et qui les a mis dans une vidéo mashup. Et donc, c'est tout simplement une vidéo où il y a l'anime, du coup, l'épisode en question et il y a plein d'autres personnes qui ont eux aussi fait leur réaction de leur côté qui, du coup, eh bien, c'est un montage où il y a tout le monde qui réagit à l'épisode. Et du coup, il a pris ma réaction à moi. Donc, merci beaucoup, Yabai TV, si tu passes par ici, voilà, merci infiniment. C'est grave cool, ça fait très plaisir. Comme d'habitude, l'anime est en petit, juste ici, pour éviter les droits d'auteur. Les sous-titres sont en dessous, là aussi, pour éviter les droits d'auteur. Et le son sera mis bas, pour aussi éviter les droits d'auteur. C'est parti, avant-dernier épisode de The Day I Became a God. Et j'ai très peur de comment ça va se passer. C'est plus du tout la même fille. On dirait un petit bébé, quoi, un petit enfant. Elle fait rien, ouais, elle bouge pas. Ouais. Putain, c'est notre petite Ina, quoi. C'est notre petite Ina. C'est notre petite Ina. Alors après c'est vrai, je passe l'opening, alors peut-être que il spoil plus trop, mais bon, on va quand même le passer pour être sûr. Ah, c'est dur, hein. Je pars pas trop et tout pour essayer vraiment d'être à fond dedans. Le jour du jeu. C'est l'avant-dernier épisode, il peut se passer tout, hein.
Ouais. Vas-y doucement par contre. Tu sais qu'elle a très peur des mecs, alors vas-y doucement, Yuta. Genre, il la prend comme ça. Oh. Du calme, du calme. Je sais que c'est frustrant, mais bon, faut pas se laisser aller comme ça, sinon. Tu m'étonnes. C'est ça maintenant le but. C'est ça maintenant le but. C'est qu'il faut que Ina. Il faut que Ina ait une nouvelle confiance en Yota. Ouais. Ne sois pas trop violent avec elle. Oui, bah oui, vas-y doucement. Bon. Ouais. Il va sûrement y arriver à la toute fin avec quelque chose. Peut-être. Peut-être, ou alors. Ou alors, peut-être que c'est coincé quelque part. Quelle connasse. Espèce de pute. Oh. Je suis désolé, mais là, ce qu'elle dit, c'est dégueulasse. Quoi? Elle essaye de nous faire avaler des trucs horribles.
Non. Non. Pour moi, c'était pas une machine, c'est pas possible. Je veux pas y croire. Ça, c'est de la merde ce qu'elle dit là. C'est juste pour foutre le doute, mais ça m'étonnerait. Comme il a dit, il y avait trop d'émotions, il y avait trop. C'est pas possible. Faudrait qu'il récupère la machine, quoi, mais bon. Oui, bah oui. Bah bien sûr, Steina. Bien évidemment que c'était elle. C'est des conneries ce qu'elle raconte, l'autre. Tous les potes. Bah oui. Bah oui. On va la retrouver, notre Ina. Exactement. Tout le monde qui est là, tous ceux-là qu'on a connus, qu'on connaît depuis le début. Les jeux vidéo. Mais oui, mais oui. Putain, comment on n'y a pas pensé? Mais ouais, putain! Même à la fin de l'opening, c'est la console qu'on voit avec la manette et tout. Putain! Ah, il a commandé une console et une télé. Yeah. Oh, ferme-la. Ferme-la, putain, merci. C'est une connasse, elle. Putain, la machine va te faire en foutre.
Elle est trop mignonne, enfin elle est trop mignonne, genre voilà, on s'est compris quoi. Oh putain! Putain, non! Et donc t'as décidé de casser les couilles maintenant? Tu crois que c'est ça le bonheur, sérieux? Rester enfermé et faire la même chose? Putain. Allez. Il continue. Oui, du calme, du calme. N'oublie pas qu'elle a du mal. Comment ça? J'ai pas compris. Décidément. Merci. Au revoir.
Voilà, ciao. Oh. Putain, une nuit blanche de jeux vidéo. L'épisode il avance et il se passe rien de concret, quoi. Qui es-tu? Oh. Quoi? Non, 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 non. Quoi? C'est déjà fini? C'est fini? What? Non! Mais il reste un épisode! Non mais attends. C'est quoi ce bordel de merde? C'est quoi ça? Putain, c'est fini! Il reste un épisode! Mais ça va être quoi alors? Ça va être pendant 20, 22 minutes? Ça va être un rush? Ça va rusher comme jamais quoi! Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi la fin? Oh j'ai peur, oh j'ai peur, j'ai peur, j'espère que je vais pas être déçu les gens. Ah non, parce que je pensais que là vraiment, je pensais qu'avec cet avant-dernier épisode, on allait tout doucement entamer du coup ben, la finition quoi. Voilà, c'est l'avant-dernier épisode. Donc je pensais vraiment qu'on allait commencer à aller sur la finition, qu'on allait commencer à avoir vraiment quelque chose de concret à fond. Alors certes, on a une Ina qui est beaucoup plus heureuse quand même, qui s'ouvre de plus en plus. Qui a un grand sourire et tout, qui regarde un peu plus Yota et compagnie. Donc certes, à ce niveau-là, ça avance. Mais là, waouh! Il reste un épisode. Il reste 20 minutes, 22 minutes d'anime pour conclure toute cette histoire. Ah ouais. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être une happy end, les gens, clairement. Je pense que ça va être une happy end. Après, comment est-ce qu'il va faire alors qu'il s'est fait griller? Sa couverture qui aurait dû durer, malheureusement, il s'est fait griller. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va kidnapper Ina? Honnêtement, ce serait une des choses les plus probables qui pourrait arriver. Mais après, comment est-ce qu'il ferait ça? Elle se laisserait pas faire. Ça serait vraiment la grosse merde, quoi. Mais waouh, que ça se finisse comme ça. En mode, il a été grillé et tout, machin, le temps est écoulé. Waouh, franchement, je sais pas ce qui va se passer, les gens, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable, soit je vais être déçu parce que ça va être malheureusement trop rush, malheureusement. Soit je vais être un peu déçu, soit ça va être vraiment bien. J'ai peur, j'ai vraiment très peur, les gens, je veux pas vous mentir.
J'ai très peur. J'espère vraiment que ça va être bien et que je vais pas être déçu. Parce que là, honnêtement, là comme ça, honnêtement, je vois pas comment mieux le faire. Faut qu'il m'explique, mais moi, je vois pas comment mieux le faire. Attends. C'est bon micro. J'ai eu peur parce que avant il y a XSplit, il m'a fait un truc bizarre. J'ai eu peur que ça a changé le micro, mais c'est bon. Du coup, les gens, merci à vous d'avoir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. L'avant-dernier, regardons l'avant-dernier épisode. Du coup, une fois de plus, ben, merci beaucoup à Yabai TV. Voilà, Yabai TV, du coup, qui ben, prend mes réactions pour pouvoir les mettre dans une vidéo mashup. Et donc franchement merci parce que je regarde ce contenu et tout. Et donc me voir là-dedans c'est trop kiffant. Donc j'espère qu'il va le refaire, ça serait cool, hein, voilà. Et sinon et moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les dernières grosses vidéos de l'année qui vont arriver. Soit demain, soit lundi. Il y en a déjà une qui arrive. Et après sinon, on se retrouvera pour le dernier, regardons, le dernier et ultime épisode de The Day I Became a God, numéro 12, le 26 décembre, et donc le samedi prochain, sur la chaîne, environ à la même heure, si tout va bien. Allez, très bonne journée à vous, une fois de plus, très bonne soirée, ciao!